Bonsoir, aujourd'hui un épisode pas spécial de... Enfin, spécial, enfin pas noté spécial, mais spécial quand même. Donc, les épisodes XC seront réservés maintenant au mode. Et je joue à ce... J'ai envie de jouer... Je fais ce que je veux après tout, c'est ma série. Bon bref, aujourd'hui, dans cet épisode normal avec un personnage secondaire, nous allons... Je ne sais plus quoi faire, mais nous allons faire des choses. Ah oui! Voilà ce que je voulais faire. Une petite intrusion chez la RNC. Mais en fait, j'ai une pensée de tenue, les gars. C'est pas ça pour l'intrusion. Bon, bref. On se met en tenue d'infiltration. Et on se retrouve au camp Makaran. On va faire du bordel. Et voici ma Dream Team. Ils sont là-bas. Je vais me changer. Oh yeah, je vais peut-être enlever le masque. Ok. Je vais jeter mon fusil parce qu'il me sort. Parce que j'ai un fusil, mais en fait, voilà quoi. Pourquoi t'es mort, toi? Ben, je vous présenterai ma Scream Team quand on sera arrivé. Camp Makaran. J'espère que le déguisement va passer, quand même. J'étais censé être discret, les gars. Bon, le truc, c'est de pas tirer sur les mauvais, en fait, là. Bien. Pierre, à cause de vos conneries, d'ailleurs, on va vous présenter. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Donc toi c'est un mec camé. Donc voici Jean-Claude, Francine, Julie, Boris, Franck et mon soldat furtif, je sais plus où mec. Allez, on va dire que c'est une fille, Anaïs. Et maintenant on va passer le temps qu'ils oublient qu'on est leur gueule à l'entrée. Oh, prions pour que ça passe, les gars, hein. Et les filles. Faites que ça passe. Putain, j'ai cru que ça allait pas passer, mais c'est passé. Bonjour. Quand j'ai reçu cette affectation, j'espérais pouvoir jouer plus souvent. Mais quelle belle tête de soldat. Ouais, j'aime pas les casques. On va arrêter de te cloper aussi. J'aime tuer des gens pendant leur sommeil. Ça vous dit un petit massacre à la discrétion? Attendez, on va chercher les lits. On se laissera pas faire. La Légion peut en être sûre. Meurs, petite créature. Et maintenant, je te mange. Oh.
Oh, tu fais tout doux. Chut. Dors profondément. Oula, attends, c'est des rangers, ça, non? Salut, mon vieux. Salut, je m'appelle Sterling, premier de Rocco. J'ai pas encore eu l'occasion de vous voir. Non, je connais pas. J'ai la mémoire des visas. C'est un flingue intéressant que vous avez là. Je l'appelle la longue carabine. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Les autres snipers utilisent des fusils à culasse à main, mais... Gorbetz a dit que ça n'avait pas d'importance tant que je touchais mes cibles. Ça fait longtemps que je crois. Ça fait 6 mois. D'ici là, on occupe les tours et on garde un œil sur les tox. Ça pue les manœuvres de César. Je peux me tromper, mais je suis prêt à parier qu'il monte les gens du coin contre nous. Oh. Ça te dit pas de faire un petit dodo? Je sais quelqu'un après on va attaquer. Oulala, ça va être... Ouh, ça va être tellement magnifique, on va s'en prendre à des rangers. J'espère que mon petit déguisement il va passer quand même. J'espère que le déguisement... Ouais, prochain charge. Comment ça? Je demande remboursement là. Bon, 10. Bon, on va jeter de ça, on en a des tonnes. Tiens, un cadeau. Bon, on va espérer que ça marche. Hein. Que personne ne me reconnaisse, surtout. Il y en a un là-bas, il m'a l'air hostile. Boyd est là-dedans avec un prisonnier. Bon sang, elle est de mauvais poil. Qu'est-ce qu'il y a, soldat? Soldat? Ouais. On a capturé un authentique centurion de la Légion de César récemment. Un Rocco? Vous pouvez le dire. Ils sont si bien conditionnés qu'ils se tueraient si vous vouliez les prendre dans les bras. Mais ce type, un haut gradé de leur armée, se rend alors que ses hommes se tranchent la gorge autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça montre une volonté de coopérer. Les seules fois où il ouvre la bouche, c'est pour nous insulter. Quand je pense que je suis censé tirer des informations de ce connard. Pourquoi ne pas battre prisonnier jusqu'à ce qu'il craque? J'aime bien votre style. Je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est que c'est pas trop... Mais ce que je préfère chez vous, c'est que vous n'êtes pas... Ah bon? Ok. Ok, on va s'y mettre. À la bonne heure. Attendez-vous. Ça faisait... Attends. Un bail, Silus. Lieutenant, je pensais justement à vous. Vraiment? Oui, je pensais à votre joli cou. C'est trop mignon. Je me demandais à quoi il ressemblerait avec un collier d'esclaves de la Légion. Je m'en passerai. Vous savez ce que j'aime chez nos colliers d'esclaves, lieutenant? Si vous les aimez tant, vous n'avez qu'à en porter un. Ils sont bien serrés. Je forme mes hommes pour que la chair forme un léger bourrelet au-dessus et en dessous. Vous savez pourquoi? C'est le dernier cri de la mode version Légion. Pas vraiment. Si le collier est bien ajusté... Elle est drôle quand même. Lui, c'est une grande gueule quand même. Il coupe un peu quand on avale ou qu'on tourne la tête. Ça leur rappelle à qui... Faut le tuer, non? Et ça les oblige. Il s'est rendu. Dans ce cas, vous feriez mieux de garder le collier... Bon, encore, il n'y a pas parlé. Oh. Donc, bon. Pour qui? Pour une personne que vous allez bientôt rencontrer. Elle n'est pas du genre docile. Et qui est cette personne de votre connaissance? Vous connaissez les règles en vigueur relatives à la protection des prisonniers de guerre au sein de la RNC? Bien entendu. Cette personne, non. Oh, et Silus?
Si vous résistez, je vous éclaterai la tête personnellement. Venez, il est à vous. Je repasserai dans un moment, voir comment vous vous entendez tous les deux. Et vous devrez laisser vos armes avant d'entrer. Vous pourrez les reprendre dans le casier à votre sortie. Ok, mais tu peux sortir ? Vous n'êtes qu'une sale petite larve. Ferme ta gueule ! Bien sûr. Voyons. Et je sais. Vous... Attention. Je crois qu'en fait, il me manque une ligne de dialogue, normalement. Voilà. Quoi ? Je suis un ami de la Légion, voilà. Tu viens apporter mon aide. Rien n'échappe à César. Moi qui pensais qu'il enverrait des assassins. C'est l'officier qui vous envoie ? Non, je prends bien chaud. Peut-être pas alors. J'ignore quel nom il porte ici. Mais je l'ai vu quand on m'a amené ici. Et il m'a reconnu. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. À l'époque, il était en formation pour devenir l'un des frumentari de César. Et il a bien réussi. Ah, les frumentari, c'est des espions, ok. Il infligera un sérieux coup à la RNC pendant son séjour ici. Je crois qu'il l'a déjà fait. J'ai appris qu'il envoyait par radio. Mais peu importe. Mes affaires sont dans un casier, dans le couloir. J'ai un pistolet assez petit pour que le lieutenant ne le voie pas. À son retour, allez me le chercher. C'est assez simple, pas vrai ? Je comprends. Bien. Mais pour qu'elle vous laisse revenir, il faudra qu'elle croie que vous avez fait ce qu'elle vous a demandé. Vous allez devoir me cogner jusqu'à ce que je saigne et que je sois à bout de force. Allez-y. Par ici ! Bon, tu veux que je te tabasse, c'est ça ? Allez, c'est parti, hein. Ok, mais ça, hein, celui qui me l'a demandé. Très bien. Vous pouvez arrêter une minute. Wow, doucement. Vous êtes là pour le secouer, pas pour le tuer. Si vous sortiez une minute, le temps de vous calmer un peu. Je crois que mon ami ne vous aime pas, Silus. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le contrôler. Vous croyez qu'un passage à tabac va me faire parler ? Juste, j'ai trop de trucs sur moi, comme d'habitude. On va jeter un peu du 45. Hein. Ah ! Ben, on va jeter un peu du... De toute façon, j'ai de la percente, alors on va jeter encore plus de 45. C'est tout ce que vous avez en stock ? Pas une simple rappelée, Silus. Un passage à tabac en règle, dont vous vous rappellerez chaque fois que vous aurez mal quelque part. Quand cette personne en aura fini avec vous, vous n'aurez plus de dents. Vous mangerez avec une paille. Vos côtes ne seront jamais en place. Et chaque respect... L'inspiration vous fera souffrir. Ce sera comme vos colliers, Silus. Impossible à oublier. Allez au diable. Oh, je m'attendais à plus cinglant de votre part. Vous ne tirerez rien de moi. J'obtiens déjà un beau spectacle, c'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez cracher le morceau ou je laisse l'autre s'amuser avec vous ? Vous jouez le silence, hein ? Comme vous voudrez. Allez ! Je crois que vous lui manquez. Oui, oh, il me manque. Laissez-moi vérifier que vous n'avez pas d'armes. Pour votre sécurité, ah, merde. Pour la sienne. Vous l'avez ? Oui. Bien. Donnez-le-moi. Je vais faire semblant d'être inconscient. Demandez-leur de sortir afin qu'on ne vous soupçonne pas. Quand je serai seul avec un garde, je l'abattrai. Je mettrai son uniforme et je partirai. Ok. Le pauvre, il n'en peut plus. Eh bien, je crois que nous allons devoir attendre. Je suis sûr qu'il en aura marre après quelques jours de ce traitement. Bah, je vais envoyer quelqu'un nettoyer ce merdier. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Dégagez. Vous pourriez nettoyer ce chantier, caporal. Non. Je me remets tout, hein, vous patientez 4 secondes, s'il vous plaît. Pas du tout. Je m'en occupe tout de suite. Je vais voir, quand même. Allez, on bouge. Qu'est-ce que... Se tire. Dégagez. Ok, unité, on bouge. Tu aimes la discrétion, oui. Tu aimes la discrétion. Moi je me dis, je m'en grille une. Et ça, ce n'était que le début. Bien, on a libéré un centurion, mais... Oh ! Bonjour mon vieux. C'est l'heure du dodo. Chut ! Tu vas bien dormir, mon ami. Là, je te mange. C'est ça ton arme. Peu, ça vaut que dalle. Pitoyable. Je t'ai tué pour rien, comme c'est dommage. Bon, mon gros plan n'est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alpha, Boulder Beach, Nirantop. Putain, c'est où? Contrefaçon, Coyote. Merde, je sais même plus où ça se trouve. Barrage, poste de Ranger. Ah, Eldorado, Abrionze. Je l'ai trouvé. Le comptoir, les cabanes, lac, porte de disciples, le camp golf. Ah, je crois que c'est le camp golf. J'ai un tenu au moins. Ouais, on va tenter le camp golf. Non, c'est pas le camp golf. Je cherche l'avant-poste des Rangers. C'est pas le camp golf. Ouais, c'est le camp golf. Tente des bras cassés. Hello. C'est quoi ton histoire? C'est la première fois que je vous vois, soldat. Ouais, bon, je l'emmerde. Je crois que j'avais envie de devenir quelqu'un, vous voyez? Faire partie de l'élite. Je voulais devenir ranger, mais voilà où j'ai fini. On vous a retrouvé au camp golf? C'est simple. C'est là qu'on envoie les ratés et les chieurs. Mais bon, je suis pas aigri pour autant, hein. Ah, on dirait que vous n'avez pas trop les membres de... Non, enfin, je veux dire, ils sont pas méchants, mais ils se foutent de tout. Ils n'ont aucune ambition, aucune motivation.
Ils pensent qu'à tirer au flanc, et ça commence à déteindre sur moi. Certainement, on n'a pas l'air sûr. Arrêtez. Le camp de golf, c'est là qu'on envoie les gens dont on ne veut plus. Parle-moi de toi, tiens. Oh, ça ira vite. J'ai grandi à New Reno, je me suis engagée pour devenir ranger. Ça a raté, alors je me suis retrouvée dans cette unité de clowns. Et pour un...